Et on est parti pour la Shell Duchess of York Cup. Un excellent départ avec pour l'instant Hector très sollicité, Arabian Saint également. Sans vouloir lancer l'épreuve, mais Hector a l'avantage devant Arabian Saint, Flavius 3e, London Gold s'assoit juste derrière. Et Roderick S ferme la marche. On entame la montée, bientôt la descente. Hector donc creuse l'écart à l'avant, de longueur d'avance sur Arabian Saint, qui tente de trouver les barres, mais condamné à l'extérieur de Flavius. En quatrième position, London Gold. Ensuite, Roderick S. On est à 800 mètres du poteau dans quelques foulées. Hector s'étend librement en tête sous la main de Swapnil Rama. Il est à deux longueurs d'avance sur Arabian Saint, qui est condamné à l'extérieur de Flavius, qui est très très bien. En quatrième position, London Gold. Puis il y a Rodriguez qui a du mal, semble-t-il. Dans quelques foulées, on accroche la roue du gouvernement. Hector a toujours l'avantage avec Arabian Saint qui est à l'extérieur de Flavius. London Gold se rapproche tout juste derrière. Rodriguez est battu à 300 mètres du poteau. Hector et Swapnil Rama contrôlent toujours les opérations. Flavius tente de revenir. London Gold également. Les chevaux sont dans la ligne droite finale. Hector a toujours l'avantage. Flavius va tenter de s'amener à l'extérieur. Mais Hector a toujours l'avantage. Flavius remonte pour London Gold. Mais Hector a toujours l'avantage. Hector, Flavius. Hector, Flavius. Flavius remonte fort. Hector, Flavius. Et Hector s'impose. Hector, voilà, accueilli par son entraîneur, par ses heureux propriétaires, monsieur et madame Mukesh Malgobin et monsieur et madame Jean Valette.